C'est pour permettre aux enfants d'être des apprentis paléontologues. Donc, le paléontologue, c'est un scientifique donc, qui va rechercher des fossiles. Et donc, voilà, c'est ce que tu es en train de faire exactement. Et donc, voilà, les enfants vont d'abord dégager donc, le sable pour pouvoir observer différents fossiles. Et ensuite, ils vont se poser des questions, comme par exemple, de quand date ce fossile, c'est-à-dire quand est-ce que l'animal était vivant. Ça peut être aussi si on a trouvé ce fossile en milieu continental, en milieu marin. Et ça peut être aussi, bah, par exemple, trouver exactement le nom du fossile. Parce que des fois, on a l'impression que ça va ressembler à un poisson, mais on peut avoir des données supplémentaires grâce en fait aux fiches qui sont là-bas. Les outils pour...